toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai trouvé le titre de cette vidéo par hasard, en écoutant certaines personnes qui avaient des problèmes médicaux graves, et j'ai intitulé cette vidéo « Pronostic vital engagé ». Sauf que ce pronostic est pour la France. En effet, comment ne pas voir que nous sommes actuellement revenus en 1938 avec la même ambiance pourrie, hein, il faut bien le dire, avec tous ces gens qui sont là, qui laissent éclater leur racisme, leur antisémitisme, etc. Et avec surtout un président qui est dangereux. Il est dangereux parce qu'il va nous amener à la guerre. Je vous rappelle ma vidéo de mars 2022, qui était prémonitoire, puisque je disais que Macron allait emmener la France dans une guerre qui n'est pas la sienne, à la France, de guerre. Et c'est ce qui va arriver, parce que soit c'est un calcul électoral à plus ou moins long terme pour espérer se retrouver en 2027 toujours aux commandes de la France, soit c'est parce que, osons le dire, il est tellement prétentieux, pédant, enfin, il se prend tellement pour un télévangéliste, il surjoue un rôle, que pour lui, c'est naturel de faire cela, pour, en fait, être le maître du monde. Parce que Macron, il se voit comme un grand seigneur de notre temps. Mais on écrira seigneur, S-A-I-G-N-E-U-E-U-R. Hein, faudra pas l'oublier, ça, seigneur. Et malheureusement, le drame de cette idée folle de guerre, c'est qu'elle va nous coûter beaucoup, beaucoup de drames, parce que la guerre là-bas, ça ne va pas être une partie de rigolade, hein. Ce n'est pas, disons, des vacances au Club Med. Et ce que je trouve extraordinaire dans notre société, c'est cette indifférence qui s'est installée partout, partout, partout. L'autre jour, j'entendais, peu importe qui, dire des contre-vérités, mais alors flagrantes, mais flagrantes. Et je n'ai pas vu ou entendu un journaliste arrêter la personne en question et lui dire « Stop, vous êtes trompé là, c'est pas vrai, c'est faux. » Non, non, on peut dire ce que l'on veut, on passe à la télévision, et puis ça suffit. Voilà. Alors, on a vu là avec le résultat des Européennes, qui était prévisible, et surtout, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que dites-vous bien, que non seulement rien n'a changé, mais rien ne changera. C'est pourquoi le pronostic vital engagé de la France est malheureusement le résultat de tout ce qu'on a vécu. Et il ne faut pas se tromper, ceux qui pourront s'en aller de cette Europe seront sauvés, c'est tout. Ceux qui, malheureusement, pour des raisons notamment financières, ou principalement financières, ne pourront pas quitter cette Europe, malheureusement, je pense que cela sera tragique pour eux. Il ne faut pas se tromper, tous les signes sont là, tout ce qui s'est passé est démentiel, et regardez bien qu'à chaque fois qu'il y a eu des faits comme ça, le gouvernement n'a jamais réagi. Parce que quand vous avez des députés là, de la France insoumise qui se baladent avec leur drapeau palestinien ou leur tenue palestinienne dans l'Assemblée nationale, dans un pays dit démocratique, on devrait immédiatement les virer, pas pour 2 jours, 15 jours, les virer, parce qu'ils ne sont plus représentatifs, ce pourquoi ils ont été élus. N'oubliez pas que ce sont des représentants de la nation et que l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée des représentants de la nation. Donc, à partir du moment où on a craché sur toutes ces fonctions, on a craché sur la nation, on a craché sur la France, et qu'on a un gouvernement qui, en face, ne réagit jamais, c'est fini. Voilà, c'est pour ça que je dis pronostic vital engagé. Bon, on va en rester là. De toute façon, il ne faut pas croire que ça peut s'améliorer, ou alors il nous faut un petit miracle, un sauveur, une sauveuse, je ne sais pas. Mais vu les résultats européens, je crains que ce ne soit pas d'actualité. Allez, merci.
toujours pareil, ceux qui veulent bien nous suivre, ça nous arrange. Il faudrait que notre chaîne dépasse un certain stade pour qu'on puisse commencer à être un peu rentable. Parce que nous, c'est zéro ce qu'on touche. Heureusement, nous avons des donateurs généreux qui fréquemment nous envoient un peu de monnaie pour nous permettre de survivre. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité parce que les gens d'aujourd'hui, non seulement ils s'en foutent de tout, non seulement donc, ils sont indifférents, laxistes, etc. Mais en plus, pour mettre la main au portefeuille, ils ont du mal. Voilà, merci, au revoir.